Coucou à tous, alors voilà, aujourd'hui je suis hospitalisée pour ma dépression depuis mardi. Elle s'est aggravée beaucoup sans que je me rende compte. Mardi j'étais quasiment en larmes toute la journée. Et heureusement je trouvais une clinique qui m'a prise de suite. Donc j'y suis pour 3 semaines minimum. Donc, je veux dire que je suis enchantée, ça fait peur. Ah non, franchement, bon, on s'y fait, mais c'est long et puis. On s'ennuie, je dors beaucoup. C'est un peu le calvaire, hein, mais on s'y fait. Après, je me suis fait des connaissances, donc ça va. Pas des copines, mais. Donc ça va. Mais sinon, non. Donc, aujourd'hui, dimanche, mardi, lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Aujourd'hui, 5e jour d'hospitalisation, c'est long. C'est long et ça passe vite en même temps, c'est compliqué à décrire. Donc voilà, la soirée j'irai prendre la tisane avec mes amis. Mais j'espère ne pas rester trop longtemps ici parce que Canel me manque, les cochons me manquent, ma famille me manque même s'ils viennent me voir quasiment tous les jours. C'est un peu la merde. Psychologiquement, j'ai du mal, mais de toute façon, on fait avec. Donc voilà, petit bilan de mon hospitalisation. Sinon, bah voilà, bon, ça va là, je suis fatiguée, donc c'est pour ça que je suis pas l'air d'être en pleine forme. J'ai les hyperglycémies à répétition, mais c'est parce que je me soigne pas, je me soigne qu'à moitié. Chez moi, je prenais mon traitement, puis je mangeais des gâteaux après, alors que là, j'ai pas le droit. J'ai un régime diabétique. C'est chiant, ce midi ils avaient une tarte à la poire, moi j'avais deux poires sans sucre, quoi, deux poires pochées, quoi, une poire pochée sans sucre, eux ils avaient une tarte bourdalouse ou je sais pas quoi, ça me donnait trop envie. Sinon voilà, les journées s'enchaînent et se répètent. Elles s'enchaînent et se répètent et puis voilà. Demain, j'ai deux réunions de bienvenue. Parce que c'est lundi que, comme je suis arrivée mardi, bah, j'ai pas pu les avoir. Donc voilà, puis j'ai demandé à m'inscrire dans le groupe d'écriture, dans l'atelier écriture. J'ai demandé à m'inscrire. Parce que voilà, j'adore écrire. Bon, après, si j'ai pas d'inspiration, ça va être un peu dur. Mais de toute façon, je pense qu'ils me donnent un thème pour écrire. On verra bien. Après, donc voilà, et puis sinon, bah, comment dire que c'est long. Moi, je me sais que je me répète, mais c'est vraiment long. Et c'est ça pour 3 semaines minimum, bien sûr. Minimum, hein, sauf que j'ai resté 1 mois, 2 mois, je sais pas. Mais je tiendrai pas plus que 3 semaines, je pense. Je demanderai à sortir même contre l'avis médical s'il le faut. Donc voilà. C'est un peu la merde. Donc, bah, sinon, non, je me débrouille. J'ai internet, donc ça va. Comme j'ai internet, ça va. Mais sinon, ça aurait été la misère. J'ai pas pris la télé parce que 40 euros le mois, ça fait cher. Déjà, l'internet, c'est 35 euros et 3 semaines, je crois, ou 30 euros et 3 semaines. Ma mère qui paye. Bon, je suis en chambre seule, j'ai de la chance. En plus, ils m'ont fait un prix. Moi, la chambre, c'est 135 euros la nuit. Et là, ils me l'ont fait à 60 euros la nuit. C'est quand même excessif, hein, faut avouer, mais bon, c'est une clinique. Hein. Déjà, j'ai le droit au téléphone et à l'ordinateur. C'est pas une clinique psychiatrique. C'est pas un hôpital psychiatrique, c'est une clinique spécialisée. Après, donc voilà. Allez, je vous laisse. Salut, passez une bonne soirée.